Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Project Zomboid. Je sais pas si Damned a planté ou pas, mais en tout cas il est Non, censé être non. avec nous. Il est en train Je de suis marcher là. dans le mur. Salut tout le monde, hein. Salut Slan, salut Damned, salut Katox. Salut. Coucou. Salut, salut, Salut. salut, salut. Il y a un Juste qu'il couteau de arrêtait chasse, de je suis sûr parler que quand t'as Slan sera lancé. là. Voilà, ça, je suis poli. Ouais, mais chez moi il est en train de foncer dans le mur en fait là. Ah oui. eh ben pourtant non. Ah bah voilà, Non, mais fais celle-là elle est ça en super naturellement. état. Nickel. Non. Je vais pouvoir la désosser pour réparer l'autre. Non. Mais Non, en plus elle a un coffre en très bon état et ça fait plaisir parce que c'est quand même rare. Hein. J'ai l'impression que les coffres, je sais pas pourquoi, ils sont souvent pétés sur les voitures. Damnat, tu t'es ramené un truc magique. Bon, je t'installe les deux barbecues sur la Et porte c'est de la pierre extérieure aiguisée? pour. Du ruban adhésif. Je Ah oui, crois on qu'on en a peut pas les déjà deux utiliser à là-dedans. l'intérieur. Je peux les mettre à l'intérieur les barbecues? Je sais pas. Tu les as mis où, tu Oh, dis? je pourrais. Ouais, je les mets où? Tu veux que je les mette où? Non, Genre mais dans la mettez. cuisine. Ouais, essaie d'en mettre dans la cuisine, puis on va voir. Le signe, tu veux combien de poulets congelés et combien de poulets crus? Il y a Frais. déjà pas mal de bouffe de prêt, donc mets tout au congélo. J'avais déjà mis des Ça va trucs à ramener un décongeler en micro-ondes aussi. plus. Que voilà. Mon sac de tomates est décongelé, ça y est. Tu pourras Alors l'ouvrir. celui-là, il est à 19, celui-là. Slan, la bouteille de propane, tu l'avais prise? Hop. Peut-être. J'ai un Comment ça, réservoir propane? propane dans mon sac, donc c'est sûrement ça. Ouais, il faut le déposer par terre, je vais l'insérer dans le. Ah Voilà, ouais, je il y a commence à des. la poser par terre et tu l'auras tout à l'heure. Dans 2 jours. Vite derrière toi, Slan, un zombie! On a le Slan, c'est temps, hein. flash en fait. Je crois qu'il est l'heure d'une petite cigarette. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. N'écoutez jamais Slan. Ouais, t'y arrives ou? Ouais, ça Allez, y on est, peut. je suis déjà au voir de réservoir. Oh la vache quoi. J'approche de retire du conteneur. Et on a la clé de Non, cette mais voiture en fait. j'avais les poulets qui étaient en cours avant. Là, j'approche du R de la fin de conteneur. Je passe catégorie. On a pas de clé en Et je fait. suis sur la ligne droite de fin, là. Et là, On je me rends sert compte que juste à c'était rien. la boîte à œufs. Non. Ah mais on a pas de clé pour cette voiture, pourquoi je me fais chier à la réparer franchement? Eh bien, bonne Hop, question. c'est chargé. Tue Damned et loot. Oui, T'as bah oui. rien. Hop. Non C'est mais je crois pas qu'en plus c'était vraiment impossible. la... Je me demande si c'était pas celle-là où t'avais perdu la clé tout au début en se faisant buter, un truc du style. Bah voyons. C'est facile ça de se faire buter. Ah, Bon c'est bah vrai, du à coup partir je de tout le monde, m'entraînais hein. sur celle-là tant qu'à faire. Bon c'est un peu con, on peut pas la bouger au final. Je sais Bah, pas de si toute on a façon, moyen de les déplacer ou. ça va arriver régulièrement, hein. Faut 4 de mécanique pour prendre des pièces moteur. Putain, ça pique quoi. Hey, premier secours! Faut que j'aille bouquiner. Bon, après, je vais sûrement attraper la maladie. Au moins, j'ai toujours pas mon bouquin de recherche. Et quand je vais la voir, ça sera trop tard. Mais bon, ça sera pour la fois d'après aussi. Bah, y a des trucs dans ce coffre là. Plein de javel et tout. Bah oui, je suis en train de. Touche pas à la javel de chef. Je suis en train d'évacuer tout ça. Je vais t'aider un peu, ça ira plus vite. Une canne à pêche. Où est-ce qu'on mettrait ça? Ouais, faut déjà y aller, hein, pêcher. Hein. J'ai un couteau à pain pour toi. Ah cool, je vais peut-être pouvoir commencer à faire du pain un moment. J'ai un Bah magazine du y a. cuisinier volume 1. Et j'ai crève la dalle, donc fais-moi cuire du poulet vite fait. Y a déjà tout ce qu'il faut à bouffer. Pourquoi tu crois que je t'ai dit de mettre au congélo? Parce qu'il y a déjà J'arrive tout ce alors. qu'il faut. Dans l'étagère avec les livres, t'as un livre de recettes. Ouais, mais normalement je l'ai déjà lu. Ah, peut-être pas avec ce perso, je vais vérifier. Je viens de te le déposer Magazine du normalement. cuisinier. Certaines recettes sont déjà connues. Ah, c'est un autre? Ouais. L'agriculture, la cuisine, la recherche. Magazine du cuisinier volume 1. Ah bah non, mais c'est le même. On l'a déjà. Démarre pas la bagnole. Non, elle a du mal, hein. Oh, et puis le bordel qu'elle fait. Oui, bah, hein. On ramène ce qu'on peut. C'est Ouais. ça.
Alors je dépose le couteau à pain là, en plein milieu, comme d'hab. Ah tiens. Et c'est parti. Active le mode recherche. Je me demande si je pourrais pas retrouver une clé de la bagnole perdue en faisant de la recherche autour. Bah franchement, en plus on a l'air d'avoir. Franchement, on a un taxi qui a l'air en très très bon état. C'est vraiment dommage qu'on trouve pas la clé quoi. Bah on a une clé de taxi, mais c'est pas la bonne. Ouais. Allez, je vais attacher mon couteau à pain à la ceinture. Ça fera classe. Ouais, je t'avoue. Je vais On a aller traîner un peu 18. autour du taxi. C'est qu'on a 18 litres de javel. J'avoue, pas, on a de quoi nettoyer. Hein. Voilà, ça c'est clair. Je vais vérifier quand même que c'est pas la bonne clé, mais je Il crois que faudrait non. qu'on aille chercher une masse hein, quand même là. Alors, on a toujours La pas réussi à en fameuse. trouver une. Il nous faut une masse. Les groupes électrogènes, ils sont mis en place ou pas? Il est Il y a plein de déposé, trucs je dedans là. n'ai Il y a un pas dit qu'il cartable et une fallait clé le en mettre, croix alors moi je ici. l'ai. Il faut lire un truc de toute façon pour apprendre pour pouvoir le démarrer. Ah voilà. Eh, attends, j'ai trouvé quelque chose. Bah, pourquoi elle a disparu ma. Ah. Et Pierre aiguisé. y a pas un chalumeau quelque part? Bah t'as dit que Ah tu l'avais bah si, retrouvé tout à l'heure. il est sur moi en fait. Allez, au revoir. Des bisous chez vous. Attention, je vais faire une marche arrière. T'es Enfin, où? quand j'aurai réussi à démarrer. Yeah. Quelle voiture tu as? Le van, le truc de la presse là. Ah. Je vous laisse refermer, hein, vous avez que ça à faire. Mais on peut pas agrandir les coffres en enlevant des sièges sur ces trucs-là? Agrandir les Bonne coffres question. en enlevant des sièges. J'ai pas Quoi? klaxonné, hein. Qui klaxonne? J'ai entendu quelqu'un klaxonner, moi. Non, 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 non. À ton âge, après, on commence à avoir des hallucinations. Hein? Hein? Qu'est-ce que t'es? Je t'entends pas! J'ai pas compris! Micheline, il a parlé, j'ai rien entendu! Micheline! Bon bah du coup, y'a rien à récupérer là-bas, on a une voiture à peu près roulante ici. C'est nickel, celle-là il faudra du moteur, mais c'est pas de mon niveau, on va aller monter de niveau. On Je va vais aller encore trouver s'occuper des de bêtes notre sauvages, on va camionnette pouvoir qui vole là. s'empoisonner. Notre petite camionnette qui vole. Maintenant qu'on a plein de voitures, on ferait pas une petite virée à la ville, à l'autre ville où on avait été? Celle où on est mort, tu veux dire? Ouais. Avec plein 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 de lances. On revient, on casse 2-3 lances, on revient, on reprend des lances, on ravance, on peut nettoyer la ville comme ça. Hein. Mais ils sont pas auto-régénérés à l'infini, les zombies? Alors, pas à l'infini, il y a un rythme de régénération, mais si on y retourne régulièrement, eh ben on trouvera moins de zombies. On en retrouvera encore quelques-uns en arrivant. Je trouve quand même beaucoup plus de trucs dans la. Enfin bon, c'est beaucoup des cafards, j'avoue. Mais je trouve beaucoup plus de trucs dans la nature que sur le parking. Trouve plus de cafards dans la nature, c'est ça que tu dis. Ouais, je trouve aussi des cafards dans la nature, sur les bagnoles et Ah dans la putain, j'ai nature. oublié de prendre un tournevis, Saras. Silencieux. Cherche un zombie, tu trouveras ça Voilà. planté dans son crâne. Ouais, peut-être, mais bon, dans le J'ai doute, on trouvé va un venir le couperet, j'ai chercher. trouvé ça super sympa. Un couperet. Ouais, c'est les gros hachoirs de boucher là. Ouais. Ah, je m'attendais à ce que ça fasse des dégâts de taré, mais en fait pas du tout. Bah, mis sur une lance, ça l'améliore pas mal quand même. Bah, Le couperet et la machette. je l'ai ouais. rangé quelque part. C'est-à-dire que le couperet de base, ça a pas beaucoup d'allonge quoi. Pourquoi je peux re-retirer le silencieux? Ah. On dirait que cette camionnette a plusieurs pots d'échappement. Arrêtez de parler que j'entende des zombies. Oh là là. Pense un peu Et aux nous te viewers. déranger. Je vais encore me faire grignoter sinon. Ah bah là c'est des loups que j'entends. Il y a Les des loups, loups dans le jeu ou pas? Bah non, mais je t'ai demandé plusieurs fois déjà, t'as jamais réussi à me répondre donc. S'il y a des loups dans le jeu, je devrais aller dans une autre direction. Il n'y a Ouais, ok, aucun vas-y, animal dans le bégaye. jeu. Si, il y a des criquets, des sauterelles. Oui, non mais. Des Mort. cafards. Mort. Bah, Cafards! tu vas peut-être tomber sur un loup mort, hein, on sait Un pas. cafard. Pas venu ici pour souffrir, ok? Encore une sauterelle, je ne trouve que ça. C'est pas avec ça que je vais progresser beaucoup. Il fait peur, c'est un cafard. Ah, j'entends des zombies Cafard! ici.
Ah, et selon l'état des freins, t'as une force de freinage, quoi. Selon le poids de ton véhicule et l'état de tes freins. C'est quand même bien fait. Franchement, hein. tu joues à fond dans ce jeu, tu deviens garagiste. Hein. IRL. Bah, tu peux faire un peu tous les métiers, du coup. Aussi. Tu peux faire déménageur. Tu joues à fond dans ce jeu, tu deviens déménageur. Ouais, bah, moi, je peux faire captureur de sauterelles et de cafards. Même pas peur. Alors les sauterelles ça t'attrape facilement, les cafards faut leur courir un peu après quand même. Hein. Ok, on est bien lourd là. Faut que ça dans le coffre. Encore des bêtes sauvages. On a encore qui vont mourir. Ouais, c'est pas gros, c'est lourd mais c'est pas très encombrant des freins. Parfait. C'est lourd mais pas encombrant, d'accord. Bah ouais, ça prend rien comme place mais c'est très lourd. Bah quoi te dire de plus moi. C'est comme ça et puis c'est tout. Moi je ramène des branches d'arbres de toute façon. Ali Ben c'est un cafard. Allez. Moi, s'il y a un peu le parking, au moins je verrai quelque chose. Raté. Moi, si vous me cherchez, je suis dans le bâtiment au-dessus, je démonte tout ce qui est démontable. J'aime les murs. Et bah y'a des zombies juste à côté du bâtiment d'au-dessus. Des WC pour le moment. Mais non, mais y'a pas de zombies, j'y suis en train de démonter des voitures, c'est calme. T'amènes pas des zombies. C'est vous qui voyez. Non, tu n'amènes pas des zombies. Y'a des zombies qui sont en train de taper aux fenêtres. Et bientôt ils vont casser les fenêtres et après ils vont rentrer dedans. Moi je trouve que t'es plutôt négatif sur ce coup-là. Là, j'ai trouvé une assiette fantasy. Et ça fait plein d'XP. Une assiette fantasy. Oui. Ah, tu l'as trouvé, c'est la trouvée qui t'a fait de l'XP. Je comprenais pas qu'est-ce que ça te faisait de l'XP. Et allez, mais retire-moi cette suspension, c'est une suspension, bordel. Tout le monde s'est retiré une suspension. Arrête de casser les portes, Katox. Et j'ai rien cassé là. A chaque fois, je ramasse des poignées et des charnières, moi. Ah, ça, c'est parce que quand on a vidé, on a pas tué ces zombies. Non, c'est moi, j'ai dit que je démontais tout ici. Ah, bah, faut ramasser. Bah, pour le moment, on s'en fout. Si t'en as besoin, tu sais où le trouver. Bah, oui. Genre. Bah, hé hey, oh. Bon, bah, là, je suis en train de mourir, faut que je rentre. Bah, meurs loin de moi. Oh, je suis en train de mourir de faim. Oh, bon. Nature. Petite nature. Je suis pas comme toi, moi j'ai été mordu 3 fois, je sais que je vais survivre. Bah je suis pas nauséeux. Hein. Ah, je suis barbouillé, mais je sais pas si c'est parce que j'ai bouffé le truc cru ou quoi. Non. T'as été égratigné ou un truc du style? Oh, un nombre incalculable de fois, tu sais. Ah ouais, bah du coup, impossible, hein, parce que moi ça a suffi à me pourrir. Hein. Ouais mais bref, oublie pas que j'ai bouffé la moitié de ton plat cru aussi. Ouais. Bah, il serait temps que t'apprennes à cuisiner les criquets, les sauterelles et les cafards, hein, parce qu'on a une sacrée réserve. Ouais, même avec une sacrée réserve, je suis pas sûr que ça soit très nourrissant longtemps. Tiens, je te mets des champignons pas toxiques pour une fois, dans le frigo. Cool, on va pouvoir diversifier un peu. Alors ça c'est des baies toxiques. Alors est-ce que c'est bon là? Ouais, je suis toujours. Tiens, regarde, tu pourras peut-être cuisiner avec cette fantaisie. Putain, il commence à être dissous les corps dehors là. Tant mieux. Ça nous fera moins de chances d'attraper des maladies. Certes. Bon, je ramène des branches d'arbres. Peut-être arrêter de me camoufler là. Allez, faut essayer de démonter ça. Il faut monter niveau 6 en mécanique pour pouvoir travailler sur les moteurs, quoi. C'est tendu, hein. Et ce qui est surtout tendu, c'est de pas mourir entre les deux. Un peu. Putain, mais Slan, t'es une poubelle vivante. Hein. Hey, je fais de la recherche. Ouais. Comme c'est spontané, ça. Mais non, mais t'arrives, le mec, il balance tout ce qu'il a par terre, quoi. À quand un petit vlog de Slan, 24 heures chez Slan avec lui? Je suis patient de voir si chez toi c'est pareil. 24 heures dans son appartement. Chez moi c'est nickel, hein. Ah ouais? Putain.
Ouais, parce que ta femme nettoie. Ah oui, bah, ça, il jette tout par terre, mais c'est que moi, je suis sa femme dans le jeu. Excuse-moi, mais sinon, c'est quoi l'intérêt de se marier, quoi? Non, mais franchement, oh, la violence. Franchement, quoi. Oh, la violence. Au montage, je te mettrais pas, tu sais, l'écran qui devient rouge avec un gros bruit de sirène, genre sirène de bombardement avec alerte beauf ou. Ouais. Avec un message, attention, attention, les jeux du site ne cautionnent pas le message qui va suivre. C'est ça, ouais. Tiens, tu voudrais pas essayer de réparer ma veste en cuir plutôt que faire n'importe quoi? J'ai pas réussi à réparer tout à l'heure, alors je vais voir ça. D'abord, je mange, et après, j'arrive. Ah là là, ah, j'avais réussi moi à le faire. Alors, bah on y va. Elle est où ta veste en cuir? Pour l'instant, je suis dans le. Je te la mets devant le stockage là. Dès que je l'ai retrouvé. Hop. Je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour réparer. Ça doit être là-dedans. Je suis curieux de voir si t'arrives à trouver un truc. Surtout elle a réparé avec du cuir quoi, parce que j'ai pas réussi moi. Mais on avait pas de lanière de cuir donc. Je vais en faire des lanières de cuir. Mettre dans le conteneur coffre-fort. Ah, c'est un coffre-fort que t'as fabriqué? Oui. Je peux pas déchirer les gants en cuir pour en faire des lanières en cuir, c'est dommage, mais c'est peut-être parce que j'ai pas de couteau. Ouais, il faut peut-être un objet. Il y a plein de clés de bagnole ici. Intéressant. Ouais, ils sont dans le tagère, ouais. Peut-être qu'il faut autre chose qu'une aiguille pour réparer du cuir. Mmh. Ah oui, peut-être une aiguille spéciale. Mais toi, t'avais réussi à réparer. Mmh. Moi, j'avais réussi à réparer avec du tissu. Mais c'est tout pourri, quoi. Ça te met 1% de résistance, c'est nul. C'était du tissu ou du tissu déchiré? Du tissu déchiré. Mais c'était naze, hein. Ça te mettait, ça montait rien quoi. Ça faisait un vieux truc blanc tout naze sur le ventre et puis c'était hyper fragile. Premier coup de zombie, ça disparaît quoi. Ah, un porte-aiguille de suture. Évidemment, il m'a pas dit qu'il en avait. Ah bah bravo. Pourquoi il y a des livres de suture. Ah, c'est dans la poubelle qu'il y a des livres, d'accord. Ouais, faut les supprimer du coup. Ben, ça faut les supprimer. Vitamines. Moi, je supprime. Ouais, c'est tout des doublons. Supprimer tout. Oh bah oui, maintenant moi j'utilise. Hein. La poubelle, c'est juste tout ce que je fous dans la poubelle en général. Dès qu'elle est un peu pleine, c'est supprimer tout. Moi j'ai pas de tissu. Donc je vais aller détruire quelques vêtements. Il y a plein de t-shirts qui servent à rien. Ça fera de la place. Ça y est, j'ai récupéré mes tissus déchirés que j'avais jetés par terre par erreur. Alors, on y va. Par contre, j'ai laissé par terre tout le reste que j'avais laissé. Je peux faire inspecter. Quand je fais inspecter, j'ai pas d'option. Il faudrait des vis. 95% de chance de succès, je peux faire ça. Petite plaque en métal, est-ce qu'on a ça quelque part? Oui, c'est dans les étagères matérielles qui sont à côté des étagères où il y a les pistolets normalement. Ici, aluminium. Ouais, tu dois avoir petite plaque en métal. Ah, ou c'est juste petite des plaques plaque, en métal, bon. Non, je trouvais, on avait deux plaques en métal et deux petites plaques en métal. Normalement, les petites plaques en métal, je peux les utiliser. Je vais pouvoir réparer. Parfait. Alors, celle-là. Il n'y a pas besoin. La bonne nouvelle, c'est que mes infections sont parties. Ça, c'est cool. Non, celle-là, elle est nickel. Attends, nickel. Nickel bon, nickel. J'ai pas réussi à la réparer, ta truc. Même pas avec du tissu. Je sais pas comment faire. Non, bah je regarderai entre deux épisodes comment faire. Ouais, c'est ouf ça. Parce que je vois pas d'option. C'est peut-être sur l'aiguille. Aiguille. Non. Attends, mais j'avais réussi moi. Vas-y, pose le truc par terre, je vais essayer. Ah oui. Ça se trouve, quand t'es maladroit, tu peux pas le faire ou un truc du style quoi. Oh. Très con. Ah non, il faut des plaques de métal. Ah putain, non, je te pose les... tout, hein. Ouais, vas-y, j'arrive. Je me suis gouré de toute façon. Toc. Je vais jeter un œil. Ça serait con, mais ça serait pas non plus totalement débile que tu puisses pas le faire parce que t'es maladroite. Hein. Il faut bien être quelque chose à un moment. Ou alors c'est parce qu'elle est mouillée, je sais pas.
Alors, comment j'avais fait? Lanière en cuir. Ok, longue veste en cuir. Normalement. Peut-être sur la lanière? J'ai du tissu. Non, j'ai essayé, pour l'instant ça le fait pas. J'ai bien la bobine de fil, j'ai bien une aiguille. Ah si, attends, je crois que si je me souviens, fallait inspecter, c'était quand t'inspectais que tu pouvais le faire. Oui, c'est ça. Bah moi attends, j'ai inspecté. Je te remets tout par terre. D'accord. Et en fait, quand tu prends, tu fais inspecter sur la veste, du coup ça va te dire il y a un trou là, et quand tu fais un clic droit, tu peux repriser avec soit du tissu, soit d'aller en cuir. Il y a le fil encore, ouais. Inspecter. Ça te dit trou au ventre là ? D'accord, raccommoder avec une lanière de cuir. Yay. Yeah. Repriser tissu, aiguille et fil requis pour réparer les vêtements. Tu as déjà tu m'as consommé. Pas reposé mes les tissus. J'ai pris mes propres tissus. Mais il faut que tu prennes du. J'avais posé les miens par terre. Attends, je t'en remets. Alors. Hop, mais de toute façon, faut que tu prennes du cuir. J'en ai pas de cuir. T'avais pas de lanière de cuir? J'en avais une. Ah, on en avait qu'une seule. Ah bah tant pis. Je me contenterai de tissu alors. Raccommoder, mais je vais tout raccommoder moi du coup. Taille, je te la pose par terre. Merci beaucoup. Tu es bien urbain, pour la peine je vais réparer la voiture noire. Hop. Ok. Ok, 41%, c'est déjà pas mal. Par contre, il va falloir. Ah, il me faut que j'ai la mécanique avancée. Recette la mécanique avancée pour retirer ce pare-brise, quoi. D'accord. C'est une recette. Bah, ça me dit. Nécessite recette la mécanique avancée. Ouais, ouais. Tu peux enlever n'importe quel pare-brise, mais celui-là particulièrement, il me faut une recette. Merci pour la longue veste en cuir. On n'a pas ça. La chemise en jean. Un magazine spécial radio, électronique, métallurgie, non. Non, on n'a pas. Comment on faisait pour voir les recettes? Il y avait un truc pour voir les recettes aussi, que je connaissais. La couture, ça monte pas vite, hein, nom de Zeus. Waouh. Je suis vachement content. Là. Oh, je suis quasiment sûr qu'il y avait un système pour voir les recettes. C'est quand tu cliques, je crois, sur ton perso, info, apprentissage. Non, ça te montre ce que t'as lu. Ah, alors je ne sais pas. Attends, j'ai cliqué sur les autres trucs, ça peut-être. Ah, voilà, c'est ça. Cuisine. C'est où la oui, poubelle? Oui, voilà. C'est ça. La poubelle, elle est à côté du fauteuil. Découper la grenouille. Oh, je peux faire de la bouffe à partir de grenouilles. Est-ce que je peux faire de la bouffe à partir des trucs vus de petit animal? Un rat, une souris, un écureuil, non. Ben, si on trouve des pièges, je pourrais commencer à les poser. Mais il faut des appâts. Je regarde si j'ai quelque chose avec les. Avec les cafards et tout là. Cafards! Pardon. Ok. Oui, pas grave. Tout va bien. Bah, c'est pas sûr. Non, pas sûr à 100%. Mais bon, pancake, je peux faire. Ah, il me faut des pancakes de base. Non, je peux faire des pancakes et après je peux ajouter des trucs dedans. Mais a priori, pas des cafards. Mais il me faut un pancake de base. Toi qui vois, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes avec leurs potes. Bon, bah, je vais retourner. Ah, et c'est pareil, la dernière fois j'avais fait cuire des pâtes et en fait je peux les mettre dans des bols et ça doit faire des bonus du coup. T'as une assiette fantasy, on aura une bonus si on mange dans la bonne assiette. Que je t'ai mis là dans, dans la ça, machine je sais à pas. Boisson. Préparation ouais, pour ça. Sauce, ok. Je peux préparer des makis, trop bien. Avec du poisson, des avocats et du riz. Je peux fabriquer des onion rings, des beignets de crevettes, mais pas du pain quoi. Oui, mais t'arrêtes pas de nous prendre tout ce que tu peux faire, et puis à la fin on se retrouve avec des trucs surgelés quoi. Parce que vous bouffez des trucs surgelés sans me dire que vous avez besoin de quelque chose. La poêle est vide, elle est dans le micro-ondes. Ah, préparer une pâte à pain.
Ah, mais il faut du sel, on n'a pas de sel, c'est ça le problème, il nous manque du putain de sel. Du sel tout court. Salade de fruits. Je peux faire des salades de fruits dans des bols, pourquoi pas. J'ai trouvé une sauterelle dans le garage, alors arrêtez de laisser traîner vos sauterelles partout. Oh, on peut trouver des calamars dans le jeu. Excellent. Oui. Je vais le poissonnier sûrement. Pas. Oui. Tu peux aller faire un tour si tu veux d'ailleurs. C'est la rivière à côté de. Hey, vous avez tu vu peux... la grande nouveauté ? La grande nouveauté, c'est que je peux découper une pastèque en morceaux, mais si j'ai une batte de baseball, je peux aussi l'éclater à la place de la découper en morceaux. Oui. Ça c'est bien. Et ça marche. Le. Vous voyez les grandes villes hein, qu'on a là sur la map. Mmh. Et ben en fait, ce sont des petits villages dans la vraie vie. Et là, ils viennent de rajouter une extension à la map et c'est Louisville. Donc il y a tout au nord de la map, après le supermarché, un endroit qui est juste une ville énorme. Qui prend la même taille que entre ici et Riverside. Avec un stade de baseball, des. Avec tout. Juste une ville énorme. C'est pas mal ça. Il doit y avoir zéro zombie dedans, hein, bien sûr. Vous pouvez me faire confiance. Oui. Oui. C'est bien connu que ça doit être complètement vide de zombies. Évidemment. Évidemment. Mais franchement, ça vaudra le coup d'aller faire un tour là-bas quand on sera stuffé, quoi. Et c'est pas avec dans la. Cocktail Molotov. Ils l'ont ajouté là ou c'est dans le, c'est dans la future version? Ah, je sais pas si c'est sur la 42 ou sur la 41, mais ça m'étonnerait qu'elle soit déjà mappée sur la 42 qui vient de sortir à l'instant. Ah, et déjà on est obligé de jouer en 41 parce que je crois que sinon c'est mort. Hein, t'as... Oui. Ils ont pas mis le multi dans la 40. Bon, il me faut des lances. Hein. Mince, je suis trop lourd. T'as été réparé les lances hein. Réparé, non. Refait. Mais il y en a encore plein. Hein. Ouais, bah il m'en faut plein justement. Il y a plein de zombies autour. Oh, j'ai gagné un point de course. Je vais lire un bouquin de course. Ça existe ça, un temps de course. Ah mais oui, mais j'ai encore mon cric et tout là. Faut que j'aille déposer ça, c'est pour ça que je suis trop chargé. Un silencieux. Bah silencieux, c'est pour les voitures. Ça va encore bouger les trucs. Non. Bah il y a des grains de brocoli là où il y avait les lances avant quand même. Non mais personne s'amuse à changer des trucs d'endroit pour t'embêter cela. C'est ce que vous dites. En tout cas il y a des branches d'arbres à côté d'une caisse de lance. On va peut-être te rendre fou hein. Je suis quasiment sûr que vous le faites tout exprès. Allez je vais faire une soupe pour changer un peu. Alors je veux bien mais si tu peux éviter de faire ta soupe avec une clé à molette. Et déjà c'est d'aller fouiller mal, le gros. Allez. Avec ses poêlés, maintenant il nous fait des soupes. Le gros stockage qui est juste de l'autre côté de la grande route, si on part tout droit en sortant du. Il y a un zombie qui frappe à la porte. Une marmite de soupe. Il frappe plus. Alors, il faut des carottes. Ah, il faut une marmite remplie d'eau. Putain la vache, ouais, c'est compliqué. Il faut que j'aille remplir la marmite d'eau, sinon je peux pas faire de soupe. Qui c'est qui a mis un tableau derrière le. Combien ça, écoute. Excellent, c'est très très bien. Ça décore un peu. Ça nous fait voyager quoi, ouais, ça nous sort de notre quotidien, drame triste. Non mais t'as raison, je me demande s'il y a vraiment un effet sur le moral quelconque. Je ne pense pas, enfin j'en sais rien en fait. Le brouillard se lève. Il y a un effet sur le moral, ça dépend du nombre de cadavres que t'empiles au pied du tableau. Créer ragoût. Bah voilà un petit ragoût. Ah bah voilà, il va pouvoir recaser mes cafards et mes sauterelles. Faudra vraiment que t'apprennes à cuisiner la vraie nourriture quand même hein. Tes cafards c'est de la vraie nourriture c'est ça? Bah la nourriture de la vraie nature qu'on trouve autour de chez nous. Ouais bah écoute je cuisine tes Tu peux pas manger bio avec ça? Tes choux sauvages et tout, hein, figure-toi. Ah, les choux sauvages, ils viennent du jardin de Katox, hein, tu sais. Par contre, la viande hachée est congelée, donc je peux pas la cuisiner. Waouh, une bouteille de soda vide. Je trouve des trucs trop badass dans la nature.
Tu veux que je cuisine une bouteille de soda vide peut-être? Ah, c'est pas bon ça. Je viens de gagner un niveau en discrétion. Ça sous-entend qu'il y aurait des gens autour, c'est ça que tu veux dire. Voilà, or on ne gagne de l'XP que quand il y a un zombie pas loin. Mais le brouillard, c'est pas mal pour partir en recherche. Alors, on va prendre ce petit pour défoncer les zombies aussi. Réglage du four. Décongelé. Hop. On allume. Il le met en décongélation et tout. Bah, je peux pas le cuisiner si c'est congelé, donc... Ah, et du coup, il y a une jauge de congélation sur l'objet aussi. Qui diminue. Ah, Katox. Très très bon, ça. C'est où? Loin. Ah bah si t'es loin, je sais pas t'aider. Oh putain. Moi je suis en train de tenter de traverser la route pour aller au gros stockage, voir s'il n'y a pas une masse. Mais là je suis tombé sur un bon gros paquet de zonzons. Ça marche. Et c'est moi parti. Aussi. Alors est-ce qu'on peut utiliser ce barbecue pour cuire du coup? Oui, t'as que 20 heures de carburant dessus mais... Alors, enfin, sur les deux. Ça fonctionne. Info sur le barbecue. Carburant 20h non allumé. Ok, allumé. Couteau de chasse sur la jolie fille avec une jupe. Je prends. Est-ce que ça cuit mon truc? En train de brûler. Attends, mais en train de brûler... Ah non, il est pas en feu, on est d'accord. le barbecue à propane en train de brûler, quoi, putain. Ils m'ont fait peur. Vu que quand il est sélectionné, il est jaune, là, ça faisait vraiment des flammes, quoi. Je sais pas si c'est plus efficace que le micro-ondes, j'avoue. Ah si, ça va être meilleur au barbecue qu'au micro-ondes. Je sais pas. Justement, je sais pas. Le seul truc, c'est que t'as Damnette qui va gueuler que tu utilises des bouteilles de propane pour ça alors qu'on a encore de l'électricité. Ah bon ? Il pourrait s'en servir pour le travail des métaux et on pourra s'en servir quand on aura plus d'électricité. Moi je trouve que tu préjuges vachement de ce que Danman va faire. Ça c'est d'accord. Sûr. C'est vrai. Ah, furtivité, merde. Maintenant je suis furtif. Hop. Et là, alors toi c'est quoi tes réglages? Ouais. Réglage du four. Les feuilles de vigne. Allez, c'est parti. Un ragoût de légumes et de viande hachée. Que demander de plus? Les champignons frais, c'est bon cru normalement les champignons? C'est pas oufissime, mais oui, tu peux manger du champignon frais, ouais. Pourquoi tous les zombies sont partis dans la mauvaise direction? Il n'y a pas eu un coup de feu ou un truc du style? T'es où? Je suis au nord-ouest. En coordonnées 0840. Bah c'est loin de moi donc je m'en fous. Ok, du bientôt cuit, on va voir si ça s'arrête tout seul. 0850 les coordonnées, ça arrête pas de bouger. Fait 15 degrés Celsius et on est le 21 07. Ouais, j'ai gagné un point de cuisine. Le voyage, je vais lire un nouveau livre. Ok, ça c'est en train de brûler, donc il faut qu'on arrête le barbecue, éteindre. Voilà. C'est classe quand même de pouvoir arrêter un barbecue comme ça. Ouais. Mais non, on n'est pas là. J'ai perdu mon œil. Prendre. Encore des carottes. Placer, est-ce que je peux le placer? Ah ouais, je peux le placer sur la table. Bah tiens, je vais poser les trucs sur la table, maintenant ça sera plus drôle. Mais ça sera quand même plus propre, hein. J'ai marre d'aller me servir dans le micro-ondes à chaque fois. J'ai pas l'impression que ça se refroidit, donc... Eh, y'a une belle bagnole, là. C'est quoi toutes ces camionnettes et tous ces trucs? Et du coup, est-ce qu'on peut manger directement? Non, on est obligé de le prendre de toute façon. Bon.
Ça sert à rien. Je vois que quelqu'un est passé par là. Oui, il y a de la ficelle. Allez, mange. Il y a vraiment là. Parfait. On va aller déposer un peu de trucs, genre ça, on peut le mettre là déjà. Ça, ici. D'accord, donc dans le coffre de cette bagnole, il y a une batterie, une portière, deux pare-brises. Je vois. Et du coup, on va arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. Allez voir la vue de Slane, qui sera peut-être plus intéressante que la dernière fois. Voilà, il fait jour, oui. Et puis, bah, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. À plus tout le monde. À plus.